Mais Bible le dit dans la circonstance, Seigneur, s'il te plaît, sans en me merci. Il y a un maître à temps, à un maître à circonstance, Seigneur. Il moi permettre que, à son moins, à qu'il ne repaye pas. Toko ganga, toko sala, nyonso, nzambe mon pa permettre. Le bika nzambe à zoloko. Amen. Toyen de l'anzambe, na si malamoto pondela, toke ne kosong sanzoto, ici que outaki. Bible bite outaki na ma bire, pe toko songa na ma bire.
Quelque chose, Seigneur Jésus. Quelque chose.
Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu plus pour laisser le passage libre. Merci.
savez, on a deux fois la mort dans notre vie. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et notre bien-aimé, il vient de connaître la mort physique. Là, il va aller se reposer, attendre ce que Paul le dit, que la trompette va sonner et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Je crois que cette phrase que je suis en train de dire, parce qu'il y a mes frères musulmans, c'est aussi dans le Coran. La trompette va sonner et l'ange va revenir pour prendre ceux qui ont crié à Dieu. Étant chrétiens, nous nous croyons en Jésus-Christ. La Bible dit ceci, Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, sans Christ, c'est la destruction. Sans Christ, vous mourrez deux fois. Sans Christ, vous partez sans pour autant revenir. Sans Christ, vous passerez en jugement. Mais Dieu a témoigné son amour envers les humains que lui a créés, de donner sa vie en Christ, d'inviter Christ à pénétrer dans votre vie afin qu'il le soit votre Seigneur. Pas seulement Seigneur, mais qu'il soit aussi votre Sauveur. Je ne parle pas de l'église, parce qu'actuellement, il y a les gens qui vont à l'église, mais dont le cœur n'est pas avec celui qui a créé l'église. Nous voyons cela aujourd'hui. Beaucoup de gens, au lieu de changer le cœur, ils ont juste changé leur conduite, leur démarche. Parce que hier, il partait dans des boîtes de nuit. Et aujourd'hui, il a changé, il part à l'église. Mais par contre, le cœur est toujours là. Dieu n'a pas besoin de notre physique. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Et ce besoin de notre cœur, il a disposé la solution qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, certes, on est allé à l'église parce qu'on avait des difficultés et on a eu des résultats. Parce que Dieu t'a guéri, parce que Dieu a parlé sur toi, cela ne veut pas dire que vous êtes un chrétien ou soit vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez faire partie d'une église, mais aussi longtemps que votre vie n'a pas encore été donnée à Jésus-Christ, tout ce que vous faites ne vaut rien. Parce que l'homme lui-même ne peut pas se sauver. Vous allez me dire que je pratique le bien. Écoutez-moi, les bonnes œuvres ne sauvent personne. Nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on pratique les bonnes œuvres, non. Tu peux faire le sadaka, tu peux faire les aumônes, tu peux faire tout le sacrifice. Et aujourd'hui, Dieu veut nous interpeller par au départ de notre frère Jordan. Il est parti dans le quart de 60 minutes. Il parlait au téléphone. Et son frère arrive dans le quart de 60 minutes. Le frère est parti. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et lui, il est parti comme ça. Je ne sais pas comment moi j'irai. L'autre, comment il va partir? La Bible dit ceci, « Jeune homme, réjouis-toi pendant que tu es en vie, mais sache que tu passeras en jugement. » Tu passeras en jugement, tu peux dire que je suis encore jeune. Je dois faire tout ce que la jeunesse me pousse à faire. Écoutez, le jugement, ce n'est pas ce que nous pensons, bien-aimés. L'enfer, ce n'est pas ce que nous pensons. C'est la souffrance. Si Dieu a envoyé son Fils, son propre Fils, pour sauver l'humanité, pour nous les nations, pour nous les païens, Jésus l'a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas venu pour nous. Mais ceux à qui il a été envoyé, ils l'ont rejeté et ils souffrent aujourd'hui. Mais bénéficions de cette grâce. Parce que la parenthèse est en train d'être fermée. Si nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous, nous comprendre, on est en train de comprendre que la parenthèse église, la parenthèse les nations, est en train d'être fermée.
Et bientôt la trompette va sonner. La trompette va sonner et quand ça sonnera, ça sera tard. Écoutez, il y a des phénomènes qui se passent actuellement dans l'humanité. Dieu est en train de récupérer ses élus par la mort. Ces phénomènes de la mort subite de Jordan, on peut détailler tout ce qu'on peut dire, mais Dieu peut aussi permettre de récupérer son élu. Parce qu'il le fait ce qu'il veut. Et c'est un moyen de le sauver. C'est un moyen de l'épargner du danger qui nous guette devant. Il y a un danger qui est devant. Mais je crois que ce danger, nous n'allons pas le connaître. Parce que notre vie appartient à Jésus-Christ. Notre vie appartient à Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans le livre des Romains, chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses, c'est une condition, de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que moi je te donne. Et retiens cela, que le jour où nous sommes allés accompagner notre frère Jordan, l'homme qui nous a parlé, il nous a donné des conditions. De confesser Jésus-Christ dans notre bouche et de croire en lui dans notre cœur pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce qu'on peut prier? Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, Nabiso. Toyemba ya solo, Alleluia, ah, Alleluia, Alleluia na Yesu. Yesu mwana nzambe, Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Nakutanina Yesu nga nakutanina Yesu, nakutanina Yesu na zwibo moya seko, nakutanina Yesu nga Yesu na zwibo toyemba ya solo, Alleluia, 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 Alleluia na Yesu. Oh Yesu elonga nanga, Alleluia, 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 na Yesu. Akutanina Yesu nga nakutanina Yesu, nakutanina Yesu na zibo moya seko, nakutanina Yesu, nakutanina Yesu, nakutanina Yesu na zibo otoyemba ya solo, Alleluia, 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 Alleluia na Yesu. Oh Yesu elonga nanga, Alleluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Seigneur notre Dieu, notre Père à qui nous croyons, nous t'invitons à entrer dans notre cœur. Si hier je ne connaissais pas cette vérité et aujourd'hui je donne ma vie à toi Seigneur, écoute la prière de tout ce monde autour de ces corps que nous allons déposer Seigneur dans cette terre d'où il était venu, Seigneur. Écoute la prière de ton peuple. Ils ont tout vers leur cœur et ils ont besoin de toi, Jésus, afin que tu règnes dans leur cœur. Lorsque la mort reviendra, ça ne sera pas une surprise, mais ça sera un repos pour eux, Seigneur. Ça sera un repos pour tout un chacun de nous, Seigneur, qui sommes là. La Bible dit de glorifier le Seigneur dans toutes les circonstances. Car il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous nous t'aimons Seigneur et nous croyons que tu as voulu que Jordan puisse partir de la sorte éternelle. Car tu étais en mesure d'arrêter cela Seigneur. Tu étais en mesure que cela n'arrive pas. Mais tu as permis Seigneur et nous rendons gloire à ton nom parce que tu le mérites. Nous qui restons, la famille qui reste, Seigneur, il n'y a que toi qui peux les consoler. Il n'y a que toi qui es capable de bander ce cœur qui saigne encore éternel, parce qu'ils ont perdu un être cher.
quelqu'un qui était là pour accompagner le parent de gauche à droite. Mais aujourd'hui, tu as voulu que le pas, louange, gloire, honneur te revienne. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Les parents, ils auront les mots à dire. Ça sera juste au niveau de ton mot. Sert-il la langue de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton courage, tout le monde est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Singata merci te nanyoso asalelio tutu nangai tutu singaki nai diambae tutu shimbok na pesa kio. Chichato, la barre me poussait. Moto kandenge na ndenge ya chere. Ma chere tuto, pesa kiyo. Tuto se na ginga y kabilo e. Tuto, pesa kiyo. Ma voyage kili kili poussa na yo. Tuto, pesa le la ki yamba. Toto, Senga Kinga Ibambongo, Toto,
pesaki yo kinuma osengaki ngai tutu nasalaki yango koyiba to kuluna osengaki ngai tutu nasalaki yango koesploke bato ntango nyonso nzutu ngai epesaki yo koboma bato ntango nyonso na bututu na moi tutu nasalaki yango kasi lelo yo tutu tutu keyi na lilita pesinga ta persite na nyonso saleli yo o tutu na nga tutu okisinga soni tutu na ngai tutu na ngai29 au 19, cela fait 20 jours. 20 jours qu'on a essayé de comprendre, nous n'avons pas eu la réponse. Mais en ces jours, nous rendons seulement grâce à Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances.
Le plus souvent, on nous demande d'aller dans la maison de deuil, car c'est là où nous tirons des enseignements. Mais il n'est pas seulement donné aux gens qui vont aux maisons de deuil, mais il est aussi donné aux gens qui reçoivent de tirer une leçon. Aujourd'hui, nous avons tiré une leçon. Nous avons perdu... Moi, personnellement, j'ai dit, nous avons perdu. Nous avons perdu. Nous avons perdu à quel moment? C'est pendant que nous étions en jeûne et prière. Pendant que nous étions en train de dire, Seigneur, nous te recommandons les 3 jours qui nous restent pour clôturer l'année. C'est pendant ce temps-là que nous avons perdu. Mais nous n'avons pas perdu parce que la Bible m'enseigne, me dit, rien ne nous séparera de l'amour de l'Éternel. Ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance. Et Jérémie dit, pourquoi le mal, le bien sera-t-il rendu par le mal? Mais je dis seulement, merci à Dieu. Je ne condamne personne. Je pense à rien. Je calcule rien. Je dis rien. Je dis seulement merci à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mon Dieu que je sers est un Dieu qui est souverain, est un Dieu qui est juste. Aujourd'hui, notre balance est dans ce sens-là parce que nous avons perdu. Mais je sais que mon Dieu ne nous laissera pas avec une balance inclinée. Et la balance va être remontée. Je rends seulement grâce à Dieu. Je dis seulement merci à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Il a voulu prendre Jordan en plein sommeil. L'enfant que j'ai éduqué pendant 27 ans, mais je l'ai perdu en une heure. 27 ans, je l'ai perdu en une heure. Que cela nous enseigne. J'ai dit merci à Dieu. Et je voulais profiter de cette opportunité pour dire à tous celui que Jordan doit quelque chose de se prononcer ou de nous voir. Et à tous ceux qui doivent à Jordan, je ne voulais pas que l'âme de mon fils soit utilisée. Mais je voulais qu'il n'y ait personne pour se prononcer après pour dire que non. Je ne dors pas parce que Jordan vient m'embêter. Parce que je sais que Jordan se repose en paix. La Bible déclare que les morts, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Je sais que les œuvres de Jordan vont suivre. Que Dieu lui donne la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que ce que tu as commencé et tu viens d'achever. Louange, gloire, honneur te revient. Parce que tu mérites cela. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer pour Jordan. Thank you.
Et vous invite à la salle à côté de la gare à Viry-Châtillon. Vous pouvez regagner vos véhicules et je vous souhaite vraiment bon courage. Personne.
na bango okangola bandeko na ngai solo na misala mabe osalelaka biso ngoluna yo natiki na maboko ngayo liboso olongolaka masumu kati na bango okangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe osalelaka biso ngoluna yo Yesu Yesu okangola liposa na ngai obabika Yesu ya ya Yesu okangola liposa na ngai obabika vendredi 29 au matin, qu'elle était
l'Éternel a pu récupérer l'âme de son fils. Et pour nous, parents, amis et connaissances, c'est vrai que c'était dur pendant tous ces temps. Mais quelque chose qui est bien, nous avons gardé la foi, comme nous sommes chrétiens, croyants, et que le départ de Jordan n'est pas un adieu, mais ce n'est qu'un simple au revoir. Parce que d'après la parole de Dieu, nous allons nous retrouver auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons remercier le Seigneur pour son assistance pendant tout ce moment. Le temps que les mamans sont en train de préparer quelque chose avant que nous puissions nous séparer. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier pour tout un chacun de nous. Vous savez, bien aimé, c'est comme je disais le samedi passé. La mort n'est pas une fatalité. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Nous sommes tous appelés à passer par là. Mais le vrai problème, c'est quand elle arrivera, dans quelle position elle te trouvera. Parce que la vie, ce n'est pas seulement ici sur la terre. Nous avons une autre vie après la mort, ce que nous appelons l'éternité avec Dieu. Et pour accéder à cette vie, ça se prépare ici sur la terre des hommes. Parce que après, ça sera une question personnelle avec son Créateur. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons dire merci Seigneur parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été avec nous dès le début et nous sommes aujourd'hui à la fin. Mais ce qui est bien, il y a une promesse qui nous a été faite dans les livres d'Ecclésiaste où Salomon dit « Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance ». Nous pouvons encore espérer à la bonté de Dieu, comme je le disais dernièrement. Nous pouvons encore espérer à l'amour de Dieu. Bien-aimés, en devenant croyant ou en espérant à la promesse de Dieu, tu ne perds rien. Par contre, tu es plus bénéficiaire de ce que l'éternité a réservé pour toi et pour moi. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant.
c'est Jésus. Na bopito na bisu ezan zinda zinda, o mona pendeke ti o lobi de vie,
Thank you.